la vice-présidente fédérale du Parti libéral, Tina McQueen, a explosé à la télévision après avoir reproché à Meghan Markle d'être « manipulatrice » et déclaré que la duchesse essayait désespérément de contrôler la façon dont les gens la voyaient. La vice-présidente du Parti libéral, Tina McQueen, est apparue sur Sky News Australia et n'a pas hésité à condamner Meghan Markle à la suite de sa bataille en cours avec Associated Newspapers. Les éditeurs tentent de faire appel de son procès avec succès contre eux, car il a été affirmé qu'elle avait dit aux assistants qu'elle modifierait le langage utilisé dans une lettre à son père car elle s'attendait à ce qu'elle soit divulguée. Madame McQueen a déclaré que cela montrait à quel point Meghan était manipulatrice et pensait qu'elle menait le prince Harry sur un chemin sombre. S'exprimant sur Sky News Australia, on a demandé à Madame McQueen son verdict sur la dernière bataille juridique de Meghan. Madame McQueen affirme qu'elle allait entraîner Harry sur un chemin très sombre et a exigé que les titres soient supprimés afin qu'il ne puisse pas continuer à en profiter. Elle a déclaré au diffuseur, « Eh bien, je pense que Piers Morgan s'est fait conduire il y a environ 8 mois lorsqu'il a dit qu'il ne la croyait pas à l'époque et a quitté son travail. » Il ne la croit toujours pas maintenant. Plus tôt cette année, l'ancien présentateur de Good Morning Britain, Piers Morgan, a quitté l'émission après avoir été confronté à ses doutes sur les affirmations de Meghan dans l'interview des Oprah Winfrey. Des milliers de téléspectateurs se sont plaints à LOFCOM, qui n'a pas fait droit à la plainte, mais Monsieur Morgan a quand même quitté l'émission ITV. Madame McQueen affirme, cela a également justifié son père qui s'est battu tout le temps. Et je veux dire, elle s'excuse auprès du tribunal en disant maintenant qu'elle n'a pas vu le mail. Ce n'était pas un seul email, il y avait 31 emails. Je veux dire clairement, elle est manipulatrice, elle sait comment faire fonctionner le système, elle veut contrôler la façon dont elle et Harry sont perçus. Malheureusement, je pense qu'elle est Wallis Simpson réincarnée et cela va entraîner Harry sur un chemin très sombre. C'est une honte pour la famille royale et j'espère que la famille les a coupés et ne les laissera pas continuer à utiliser ces titres pour en tirer profit. Associated Newspapers conteste la victoire légale de Meghan sur eux en mai après avoir publié une lettre qu'elle a envoyée à son père, Thomas Markle. À l'époque, le juge a rendu un jugement sommaire, ce qui signifie qu'un procès complet a été évité. Cependant, l'éditeur du journal a fait appel de la décision et souhaite que l'affaire fasse l'objet d'un procès complet. Au cours du processus d'appel, l'ancien assistant de Meghan, Jason Knauf, a partagé des messages montrant la duchesse lui demandant quelle langue elle devrait utiliser dans la lettre à son père. L'ancien assistant a affirmé que Meghan m'a demandé de revoir le texte de la lettre de Thomas Markle, qui a ensuite déclaré évidemment, tout ce que Jay rédigeait et compris qu'il pourrait être divulgué. Meghan voulait également savoir si elle devait utiliser le terme papa, car il tirerait sur la corde en cas de fuite de son père. Monsieur Markle a été interviewé sur GB News à propos des détails, mais a simplement déclaré que Meghan avait toujours appelé son père.
Meghan s'est excusée auprès du tribunal après avoir déclaré qu'elle avait oublié les messages et les courriels supplémentaires qui autorisaient le personnel à informer les auteurs de la biographie de Finding Freedom. Les Sussex ont tenté de prendre leur distance avec le livre et de dire qu'ils n'avaient aucun rôle à jouer dans sa création. Associated Newspapers affirme qu'en raison de ces révélations, Meghan a écrit la lettre en pensant au public et était heureuse que le public la lise si M. Markle l'a divulguée. La décision de l'appel sera révélée à une date non encore divulguée, car le tribunal prendra du temps pour examiner les preuves.